Il est temps de profiter un peu de la vie. Je rechercherai ce petit un petit peu plus tard. Il doit pas être bien loin. Profitons un peu de mes nouveaux pouvoirs. Grâce à ces nouveaux pouvoirs, j'ai la vision Eloïse surdéveloppée. Je vais pouvoir préméditer mes attaques. Fini les attaques par surprise. Il y a des jeunes là. C'est parfait pour expérimenter tout ça. Si je me concentre un peu, je vais pouvoir les entendre. C'est pas de quoi je suis capable, toi, encore. C'est pas parce que je suis flic que j'ai pas un passé. Hein. J'ai un ancien militaire, tirer sur des gens, je suis habitué, hein, merci. Ça me fait plus aucun effet de devoir tuer quelqu'un. Bon, là, je déconne. Ouais. Moi, je te menotte, je te mets dans l'eau, je te laisse au fond de l'eau. Non, bah non. Je t'attache à un parpaing au niveau des mains. Non. Bah, dis pas non. Hein. T'as cru que si un jour quelqu'un te tue, tu vas lui dire bah non, il va faire oh bah ok, c'est bon, je laisse tomber. Mais non, mais pas dans ces constitutions-là. Ça doit être horrible de mourir noyé par contre. Parce que tu suffoques au final. Ouais, tu te noies aussi. Et tu meurs. Ouais, bah donc tu suffoques. Voilà. Tu te noies, c'est ça va, suffoques. Vous voulez pas parler d'autre chose, non? Ah bah c'est lui, hein, moi. C'est pas si mal. Ouais, c'est ça, nourrir pas noyé, je préfère me prendre une balle. C'est intéressant de savoir comment l'anatomie humaine fonctionne, non? En effet, c'est très intéressant. Ces jeunes feront parfaitement l'affaire. J'adore leur conversation, on dirait moi quand j'étais jeune. T'as pas entendu un rire diabolique là? Si. T'as entendu comme moi? T'as entendu un? Ouais, moi je viens de l'entendre. Venant de super loin. C'est quoi ce délire? Eh, le diable, je t'emmerde. Vite. Oh, si c'est le diable, c'est pas grave. C'est un pote. Parce que vu le rire. Dieu. J'avoue, c'était un rire diabolique. Et Shaitan. C'est toi ou pas? Al-Shaitan. Khodoblan al-Shaitan al-Ajim. Non? Je sais pas, à mon avis, vous avez fumé, t'sais, parce que. Non, il y avait un rire diabolique près de nous. Ouais. Toi, tu perds des points, toi, à dire des conneries. Non, je te jure, j'ai entendu. Ouais. Je pense pas avoir rêvé. Hein. What the fuck? Attendez. Qui est là? Là-bas, au-dessus du pont. Au-dessus du pont. Hein? Quoi, au-dessus du pont? Là. Ah! Oh putain! Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? C'est là, Voldemort. Oulala, c'est qui? C'est qui? Je sais pas. Laisse-moi. Garde-le en visu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Vous prenez un bain de soleil? Ah, à peu près, ouais. Même si ça sert pas à grand chose vu ma couleur. Oui, c'est pas faux. Vous faites quoi, monsieur, ici, à cette heure-ci? Je me promène. Parce qu'il est vachement tôt, dis donc. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Je parle ici avec des amis. Des amis? Ah, très, très bien. Je peux vous offrir quelque chose à boire si vous voulez. Je connais un stand ici pas loin. J'ai tout ce qu'il faut, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Comme vous voudrez. On va passer une bonne journée, monsieur. Bonne promenade. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Ce garçon me plaît bien. Je vais attendre qu'il soit seul. Ça fera mon repas du soir. Mais, s'il prévenait ses amis... C'est qui cette personne? Je sais pas, c'est un mec qui se promène sur le pont. Comme ça. Ouais, mais il avait pas... bizarre Si, un peu. Je sais pas, il était bizarre, il m'a proposé d'aller boire un truc d'un stand à côté, j'ai préféré refuser. Ma maman m'a toujours dit de jamais suivre les inconnus. Exactement. Bizarre, lui. J'ai pas envie de mourir. Ouais. T'imagines, c'est un tueur en série, le truc. Ouais, avec sa gueule, il ressemble à John Wick en plus. Laisse tomber. Ah, t'es ouf, de près, il est moche par contre. C'est fort déplaisant ce que je viens d'entendre. Il va falloir que je trouve une autre technique.
que je mette les gens plus en confiance. Allons faire un test. Je veux voir ce qui ne va pas. Voir si c'est mon physique qui est trop attrayant. Ici, ça fera très bien l'affaire. Au pire, je me servirai de mon véhicule comme argument. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Très belle journée, n'est-ce pas? Oui, un très beau soleil. Vous avez de bien jolis véhicules. Merci beaucoup. Vous voulez acheter un véhicule, monsieur? Vous travaillez donc ici? Oui. Vous êtes bien jeune pour travailler ici. Quel âge avez-vous? 18 ans. Ah, c'est bien, on travaille jeune. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix, je crois, non? C'est vrai, l'avenir est difficile. Très dur, même. Du coup, oui, je regardais un petit peu les véhicules. Peut-être que je regarderai ça une autre fois. D'accord, monsieur, il n'y a pas ça de... Ça vous dirait d'aller boire un verre avec moi? Non, merci, monsieur. Comment ça? Non, non merci, j'ai dit. Même un petit café, quelque chose. Ah oui, un cocktail. Non, ça ira, monsieur, vraiment. Un Volca Red Bull. Les j'aime bien ça, non? Oui, j'aime ça, mais non, ça ira, monsieur. Comme vous voudrez. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous, c'est une invitation quelconque. Oui, je sais très bien, mais non, ça m'intéresse pas, votre verre, monsieur. Vraiment, hein. Pourtant, j'ai une belle voiture, je suis bien habillé, je ne sais pas ce qui cloche. Vous voyez mon voiture, la voiture rouge, là-bas? C'est ma voiture. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Non. Vous voulez pas faire un tour dedans? Vous verrez bien. Ah, mais elle est très, 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 très belle, votre voiture, monsieur. Oui, c'est une Porsche modèle 911. Je peux aller la voir? Ah, bien entendu, venez, je vais vous montrer. J'ai de très beaux sièges en cuir. Ah, moi j'aime beaucoup les voitures, les très très belles voitures, j'aime beaucoup, monsieur. Ah, vous voyez comme elle est jolie, rouge pétant. Allez-y, regardez à l'intérieur, les sièges sont renforcés en cuir. Montez de l'autre côté, vous verrez, vous aurez de la place pour tout analyser. Regardez comme c'est confortable. D'accord, vous êtes monsieur. Déjà monté dans une Porsche? Non, jamais, monsieur. Regardez, montez donc. Ça vous plaît? Regardez comme le bruit du moteur. Ah ouais, magnifique. Vous êtes jamais, c'est la première fois que vous montez dans une Porsche? Oui, c'est la première fois, monsieur. Je vous emmène faire un tour, vous verrez, il y a beaucoup de chevaux sous ce capot. Vous allez adorer, les jeunes adorent. Magnifique. Regardez cette accélération. Et ça roule jusqu'à combien, cette voiture-là, monsieur? Je suis déjà allé petit 300 au compteur. Vous verrez, j'attends une bonne ligne droite et je vais vous montrer sa décoiffe. Allez. Ça tombe bien, on va s'arrêter près de chez moi. J'ai juste un petit courrier à prendre. Monsieur? Oui. Boire un verre? Oui, rentrez, j'ai une très très grande maison, vous verrez. Il y a le temps. Oui, bien sûr. J'ai quelques bijoux aussi, ornés de diamants, que je voulais mettre à la poubelle. Mais si vous êtes là, je vais vous les donner. Ah oui, je veux bien, monsieur. Venez, je vais vous donner tout ça. Vous aimez la campagne? Non, pas trop. Je préfère les villes. J'ai un appartement en ville aussi. Ah oui? Venez. Je vais vous servir un petit... quelque chose à boire. Je vous suis, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ramène quelque chose à boire. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Vodka Red Bull, ça vous va? Oui, je veux bien. Je vous ramène ça, avec des bijoux. Merci. Tenez, j'ai trouvé quelque chose qui appartenait à un jeune aussi. Ah, vous ne êtes pas assis? Monsieur? Oui? Vous faites quoi avec votre... C'est un jeune qui avait laissé ça une fois en venant ici à la maison. Je ne sais pas comment on l'utilise, mais je trouve ça très très efficace. Ah, c'est pour taper une balle en fait, monsieur. Une balle ou autre chose? J'ai mal à la tête. Vous allez bien, mademoiselle?
Monsieur. Je vous ai préparé une chambre ici. Non. Regardez, un colocataire. Le four n'est pas assez grand. Ah, c'est pour taper une balle, en fait, monsieur. Une balle ou autre chose? Ah, non. Ça compte pas.